Je sais pas pourquoi. Est-ce que vous craignez Dieu ? Non. Mais je te crains, toi. L'esprit du cobaye tentera désespérément de créer des souvenirs lorsqu'il n'en a pas. Barrière voyage transdimensionnel, Lutèce, 1889. Meurs-toi ce monde. Dis-moi, tu vas rester planté là ? Tu veux que je fasse quoi ? Que je danse ? Danser, non ! Que tu rames ! Ramer ? Mais j'avais pas prévu de ramer. Donc, tu voudrais que je m'occupe de tout ? Non ! Je voudrais que tu t'occupes de ramer, oui. Et en quel honneur ? C'était ton idée de venir ici. Mon idée ? Je t'ai toujours dit que je ne croyais pas à l'exercice. Quoi ? Ramer ? Non ! Ça, c'est un exercice épatant. Quoi alors ? Toute cette expérience de pensée. Excusez-moi, c'est encore long ? Quand on s'embarque dans une expérience, on s'attend à tout. Oui, mais on ne s'embarque pas quand c'est le pire qui vous attend. Revenons à cette histoire de ramer. Tu ferais bien de ramer, sinon on n'arrivera jamais. Non, je veux dire, j'aimerais bien que tu me donnes un petit coup de main. Peut-être qu'il pourrait t'aider. J'imagine qu'il a plus intérêt que moi à arriver à bon port. Oui, c'est sans doute vrai, mais pas la peine de lui demander. Pourquoi ça ? Parce qu'il ne rame pas. Il ne rame pas ? Non, il ne rame pas. Ce dialogue incroyable. Ce dialogue de l'infini. Nous y sommes. Il ne bouge pas. Il va bouger. Tu vas voir. Tu dois avoir raison. D'après toi, on peut lui dire quand on reviendra ? Quelle différence ça fait ? Ça le rassurerait peut-être. Pour une fois que nous sommes d'accord. Hé ! Y a quelqu'un qui m'attend ici ! Je l'espère vraiment pour vous. Il ne doit pas faire bon se retrouver là tout seul. Bon, il y a peut-être quelqu'un à l'intérieur. C'est comme... Alors déjà, premier truc... l'upgrade graphique, hein. Je sors de Bioshock 1 qui avait quand même pas trop mal vieilli, Bioshock 2 est bien vieilli, là je passe sur Bioshock Infinite, on est quand même déjà largement au-dessus niveau graphisme. On est quand même bien au-dessus des deux précédents jeux. Tu sens que la technologie a bien avancé entre les deux. Bonjour le verre silencieux. Et vraiment dites-moi si c'est si le son est trop fort, si vous entendez pas assez ma voix. Je ne peux pas m'en rendre compte. N'hésitez pas à me le dire que je baisse. Du coup, effectivement, ça parle du premier jeu, hein, parce que le premier jeu, tu prends un phare comme ça, et du coup, tu descends dans les profondeurs de Rapture avec une bathysphère, après un crash. On va explorer. Normalement, si c'était un Mario, il y aurait un bonus derrière. Incroyable. Il y avait un bonus derrière. Je les autres cas. Frappe à la pote. Alors. Ouais. 2-8. Amène-nous la fille. Excusez-moi. Je suis Booker DeWitt. Je suppose que vous m'attendez. Ouais, il y a vraiment une grosse... Ok, ça ressemble à mon perso. Eh ben, ça a l'air sympa. Depuis Sodome, je suis arrivé ici. Y'a quelqu'un là-dedans ? Eh oh ! Eh oh ! Eh oh ! Eh oh ! C'est quoi, c'est le chemin que l'a fait Arizona, c'est les États-Unis. Soyez préparés, nous sommes ici en Columbia. J'aime bien les petits, l'attention mise aux petits détails pour rendre ça le plus crédible possible. On prend le portefeuille évidemment. On va se lever les mains, c'est bon. Ah, un truc qui est tombé. Du sang. Une poêle, la bagarre. Ah. Merde. Ok.
coéquipiers sont pas camusés. Je me suis lavé les mains en rentrant, ça passe. On peut utiliser les cloches. Mais attends, cette carte. Ah yes, ok. What? Ok, et là on vient d'invoquer Cthulhu. Tentacule Sama Yamete. Merci, ils ont changé les spectacles sans lumière de Jean-Michel Jarre. Censé m'asseoir dans leur drôle de fauteuil. Bon, et maintenant... Tenez-vous prêts, Bélin. Bélin assure votre sécurité. Mais qu'est-ce qui se passe, là? J'aime pas ça. Non, 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 bordel de merde! What? Début de l'ascension dans 5. Non, dans 4, non, 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 non. 3, 2, 1. Non. Ascension. Attention. Allez, mon cœur. Allez, on reste au chemin. Nous sommes à 5 000 pieds. What? 10 000 pieds. 15 000 pieds. Alléluia. What the fuck? Hein? Ah, c'est bon, Father Comstock, c'est le grand méchant. C'est le Ryan de l'histoire. Bioshock 1 c'est le capitalisme, le culte de la personnalité. Bioshock 2 c'est le communisme. Bioshock 3 c'est le fou religieux. Ouais, c'est ouais on en tirait bien. C'est une bonne tête d'être ça. J'ai pas besoin d'avoir fait Sciences Po pour te rendre compte que ça va être ça. And the prophet shall lead the people to the new Eden. Ah, oh, d'accord, c'est comme ça. Okay. La progéniture du prophète. Mais what the fuck?
Bioshock 4 sur le flux des époques. Ah, j'espère bien que Bioshock 4 sera sur un youtubeur qui prendre le contrôle d'un pays par le culte à l'image. J'espère bien. Pas des tutors, ils sont trop petits. Un youtubeur serait parfait. Genre PewDiePie qui prend le contrôle d'un pays en faisant venir tous ses fans dedans. Très très hâte. The Lamb, c'est bien, ça fait rapprochement. Lamb, c'est l'agneau. C'est rapprochement avec le nom du. De la bicheline maléfique du 2. Je prends la thune, hein, bien sûr. Les offrandes, on prend. C'est ouf l'ambiance qui rentre. Ça change complètement de rapture. Excusez-moi, je suis où? Au paradis. Enfin, ceux qui s'en rapprochent le plus avant le jugement dernier. Vaut mieux pas poser de questions. Je veux pas me faire remarquer. Faut que je trouve un moyen de sortir d'ici. And in my womb, je suis le gros The Seed of the Prophet. Oui. On en est bien. The Womb a référencé Isaac, bien sûr. Non. Le prophète, car il aime le pécheur. Aimez le pécheur, car vous êtes le pécheur. Et sans pécheur, quelle place pour le rédempteur? Sans péché, quelle grâce pour le pardon? Ok. Mais c'est quand même ultra stylé. Et chaque année, en ce jour de fête et de célébration, nous réaffirmons notre engagement envers notre cité et notre prophète, le père Comstock. Nous nous rengageons par le sacrifice et par l'action de grâce et en nous plongeant dans les eaux du baptême. Car oui, si le prophète avait frappé nos ennemis à Wounded Knee plutôt que de s'insurger contre la menace de la Sodome inférieure, cela aurait suffi. Si le prophète s'était insurgé contre la menace de la Sodome inférieure et avait refusé les trois dons en or des fondateurs, cela aurait suffi. Si le prophète avait accepté les trois dons en or des fondateurs et n'avait pas prié pour notre délivrance, cela aurait suffi. Si le prophète avait prié pour notre délivrance et ne nous avait pas menés au Nouvel Éden, cela aurait suffi. Si le prophète nous avait menés au Nouvel Éden et n'avait pas éliminé les vipères de l'Orient, cela aurait suffi. Si le prophète avait éliminé les vipères de l'Orient, mais n'avait pas subi le sacrifice de sa bien-aimée, cela aurait suffi. Si le prophète avait subi le sacrifice de sa bien-aimée, mais n'avait pas chassé la Vox Populi, cela aurait suffi. What? Chelou boy. Alors le chemin du pardon est la seule voie à la cité. Pardon. Je rentre dans le cercle que je suis un fou. C'est à nouveau! Il vient de la Sodome inférieure qui nous menace. Les nouveaux viennent à Columbia pour être purifiés devant notre prophète, nos fondateurs et notre seigneur. Je voudrais entrer dans la ville. Entrer dans la ville? Mon frère, la seule façon d'entrer à Columbia, c'est de renaître dans les douces eaux du baptême. Acceptes-tu d'être purifié, mon frère? Écoutez, je veux juste passer. Prenez ça. Vas-y, mon frère. Purifie-toi, mon frère. Allez-y. Hé! Hey. Je te baptise au nom de notre prophète, au nom de nos fondateurs. Au nom de notre Seigneur, au sein de Columbia. Je ne sais pas, frères et sœurs, mais cet homme ne m'a pas l'air bien pur. Ça commence bien. Qui est là? Qui est là? Ramenez la fille et nous effacerons la tête. Vous voulez quoi? Nous avions un marché, DeWitt. Ouvrez cette porte, tout de suite. Je vous l'ai dit, je refuse de le faire. Ok, petit flashback, j'imagine. Monsieur DeWitt,
Monsieur DeWitt. What? C'est quoi sa première guerre mondiale? Ce crétin de pasteur ferait bien d'apprendre la différence entre un baptême et une noyade. Je dois trouver un point de repère pour comprendre où je suis tombé. Je suis ultra. Ok, Washington, Jefferson, Franklin. Pour que l'Éden se dote des lois nécessaires pour dominer les autres nations. Ok. Chaque année, nous réaffirmons notre foi pour nos fondateurs et notre prophète, le Père Comstock. Notre foi pour notre prophète, le Père Comstock. Pour que nous puissions suivre la voie du prophète. Amen. Notre prophète emplit nos poumons d'eau pour leur faire apprécier l'air. Ok. Toi qui franchis le Delaware, avec une épée de feu et des ailes angéliques. Au moins c'est beau, c'est effectivement, c'est une vision, ça a l'air agréable. Les gens ils ont juste l'air un peu chelous. Il y a même des oiseaux qui font du vol stationnaire. Aucun oiseau ne fait de vol stationnaire dans la vie. Entends ma prière. Père Washington m'entend. Ah oui, pour les pères fondateurs. Mais ils sont chelous leurs oiseaux, n'empêche. Fais-moi profiter de ta sagesse. Que la lumière de ton bon jugement me guide comme un phare dans les ténèbres. Au nom de l'épée, du parchemin. Il n'existe pas. Et de la clé. Il n'est que providence. Tu vois sa main divine à l'ouvrage. C'est pas parce qu'une ville s'envole qu'elle est remplie de génies. J'adore. Enfin. Le mec trop blasé. J'ai une gamine à trouver, moi. C'est pas parce qu'une ville s'envole qu'elle est remplie de génies, je kiffe. Waouh! C'est ouf! Et les gens ils s'inquiètent pas! Et non, monsieur Rossignol, je n'ai jamais mangé dit. Et je pense qu'on doit pouvoir arranger ça. Bonjour. Bonjour. Donc Alexander a 2 dollars quoi. Mais c'est insane ce qu'ils ont fait. Par contre, j'aurais s'inquiète pas les trucs qui volent et qui se posent comme ça. Rappelons-nous le divin pardon de notre chère Madame Comstock, notre sainte mère du pardon. Ah, oh, cette statue. Pour moi, on n'y voit pas le père Comstock et son absolu. Un scout de la liberté n'aime pas. Il n'est pas question de préférence, mais de devoir. Salton Stoll est pas si mal, moi je dis. Il dit qu'il aime la foi, la famille et la patrie. On pourrait être contre tout ça. Ok, Daily Dirkshedur. Ah, du coup, ça arrive, d'accord, en fait, ça vole entre. Du coup, c'est là pendant une heure là, puis après, ça bouge. What? Comment ça, juste? Que je ne te reprenne pas à dire ce genre d'amour. Bon. Si la Vox Populi par là. Non, et puis ça veut dire quoi, au juste la Vox Populi? La Vox Populi, c'est la voix du peuple. Ah, mais voilà des délinquants! Et après, il y aura une intervention des pompiers, comment ça, ça va coûter à la collectivité, ça? Foutez les moi au trou. C'est plus possible, y'a plus de jeunesse. Moi je te les prends, je vais les amener à tes parents. Supporte ça. Et voilà, l'alcoolisme des gamins. Super. What's up? Ah c'est un cheval mécanique. C'est pas un cheval. Une parade.
pied. Voilà, c'est bon. Bonne chance pour la tombola. Choisir quel événement aller voir un jour comme celui-ci, c'est une affaire sérieuse, tu sais. On ne peut pas être partout. Grande fête et tombola de Columbia. Ouais. MDR. Ruffle. A ruffle. L'épée lui réussit. La clé et le parchemin un peu moins, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, j'ai ma barre de points de vie qui est apparue en gouache. Vraiment, je suis scotché. Les détails, l'ambiance, les trucs ultra lumineux, les trucs qui bougent et tout machin. Comment la ville a agencé, je trouve ça incroyable. Et j'adore le. J'adore le genre de. Le soin apporté aux détails. T'as tellement pas l'impression que quand tu passes de Bioshock 1 et 2 à ça, t'as tellement l'impression que c'est pas du tout le même univers. Se plonge dans les eaux du baptême. C'est un autre qui en ressort, qui en renaît. Mais qui est cet homme, celui qui reste immergé? Ce baigneur est peut-être bien à la fois un pêcheur. Nous menons une campagne pour la Ligue patriotique des jeunes filles. Une prochaine fois. Back in 5 minutes. Moi j'éviterai de parler comme ça. Tu risques d'attirer l'attention. John, ne te transforme pas en extrémiste de Finkton. Je refuse de finir dans ces reportages sur les femmes d'agents de la Vox Populi. What? C'est là qu'ils m'ont dit que je la trouverais. Télégramme, monsieur DeWitt. Un télégramme pour vous. DeWitt, stop. Ne vous faites pas remarquer par Comstock. Stop. Quoi que vous fassiez, ne tirez pas le numéro 77. Stop, Lutèce. Qu'est-ce que... What the hell? La Monument Island détruit la fille, très bien. La tour protège l'agneau du faux berger. Vraiment incroyable l'effort fait pour cette ville. Et ce que j'adore, c'est qu'en fait, dans les différents jeux vidéo, en dehors de Bioshock, en fait, t'as souvent des choses. Oui, je fouille les poubelles, je suis comme ça. T'as souvent des univers relativement similaires, ou alors qui s'empruntent beaucoup d'éléments les uns aux autres. C'est pas le cas dans Bioshock 1 et 2. L'univers de Rapture est quand même très atypique, et à ma connaissance, on retrouve pas. Beaucoup ça dans d'autres mondes, le coup de cité sous-marine. Bon, en dehors, il y avait une série comme ça qui était sous la flotte. Je sais plus ce que c'était, où c'était des villes sous la flotte il y a très longtemps. Je sais plus comment ça s'appelait. Et c'est vraiment le même principe. Genre, l'idée de cité volante, ça a déjà existé, mais avec un tel niveau de détail et une telle courance entre les trucs. C'est très peu. Oui, mais le steampunk, c'est un. C'est un genre qui est extrêmement peu mis en jeu vidéo. C'est dommage qu'on ne puisse plus le visiter. Mais c'est réservé aux hôtes de marque. C'est un style qui est super peu mis. Oui, je fouille les poubelles alors. Où est le souci avec ça? Une gorgée et vous ferez de véritables prouesses du bout des doigts. Vous savez que notre prophète est juste, qu'il est bon et qu'il a demandé personnellement ce soir à monsieur Jeremiah Fink de partager ses merveilles avec vous. Loué soit notre prophète et loué soit notre belle ville.
Si je vous disais qu'un homme peut lancer des éclairs du bout des doigts. Ça fait un peu la fête foraine, c'est l'idée. L'incroyable puissance de la déferlante. La vox populi a encore frappé. Vous voyez ces sauvages dans les airs? Ils sèment le chaos. N'ayez crainte. C'est bien. Maintenant, visez ces traîtres et tuez-les. Touchez-en suffisamment pour recevoir un lot. Vous visez quoi? C'est vachement bien les rail shooters. Ça va, j'ai une 19 sur 20, donne l'argent. Faites le ménage dans les nuages. Prenez un fusil. Développé par Lucky Industries, votre groupe disponible pour tous les citoyens de Columbia. Casse tout the devil. Comme bien flag. Là, drapeau de Columbia, du coup un peu le drapeau américain. Vox Ophon, écoutez votre voix du passé dans le présent. Ah, ça fait de la tombola, d'accord. Ah. Ouais, la perte est heureuse. Tu as déjà vu un spectacle pareil? Avez-vous déjà perdu de l'argent dans un distributeur? Un téléphone a-t-il déjà refusé de vous connecter à votre moitié? Alors, il est temps de reprendre le contrôle aux machines. Avec possession, c'est vous le maître. Ok. Faites obéir n'importe quelle machine. Désolé, l'ami, ce n'est pas possible. Tous les billets sont vendus. L'entrée est réservée. Quatre parfums? Tant que ça? Parce que la vanille, ça n'est pas assez pour vous? Salut, marin. Vous arrivez de quel port? Un port dans la tempête. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. C'est des distributeurs. Ah, ok, c'est bon. J'ai compris. Maman, t'aimerais vivre dans une ville comme ça? Non. Ça a l'air chiant. Un simple murmure. Ils sont à vous. Oh là là, le cœur de l'amour. What? Chelou. Alors, cette option équipée, appuie sur clic droit pour aller une machine à votre cause. Ok. Qu'est-ce que c'était que ça? Tiens, mais voilà notre beau député Bumford. On vous attend à la tombola. Je ne sais pas pourquoi je ne vous ai pas reconnu. Maître? Pile ou face? Allez, laissez-moi passer. Pile ou face? Pile. Je te l'avais dit. Je trouve ça toujours décevant, en définitive. Courage, on verra la prochaine fois. Tu as sans doute raison. Ah. Qui est? L'euro quand même. Mon modèle? Mais Madame Comstock, bien sûr. Que notre prophète la bénisse. Okay, on va voir ce truc là. Ce petit bijou, tous les gars de la division en ont un. Si on veut réussir à débarrasser l'aérotrame de la Vox Populi, on doit être équipé. Ils recrutent pas dans le groupe? Ah, j'aimerais bien cogner sur la Vox Populi.
l'intro, c'est bam. C'est vraiment bien fait cette intro. C'est vraiment ouf. Oh merde! Tandis que on essaie de me faire faire une mise à jour du jeu. Pas de PC, je dis non. What? C'est ouf. Vraiment, je suis scotché. Ça fait longtemps que j'ai pas vu une intro de jeu solo aussi immersive. Genre toi, typiquement Doom Eternal, l'intro est ouf, mais tu Doom Eternal en fait. T'es pas surpris, c'est joli, ça va dans tous les sens. Ah, le faux berger, j'ai la marque, tout va bien se passer. Genre il y avait pas de surprise là. Là c'est ouf. Ah, Julie 6. Du coup c'est deux jours après, c'est le 4 juillet je crois aux États-Unis la fête nationale. Très bien. Monsieur. Et c'est moi que je dois pas prendre la 77, évidemment. Désolé, pas d'argent. Mais non, la tombola est gratuite, Nigo. Vous vivez au fond d'une grotte, ma parole. 77. 77? Ça porte bonheur. J'espère que vous allez gagner. Apportez-moi le bol. N'est-ce pas la plus jolie jeune fille blanche? Pourquoi il précise blanche? C'est louche. Non. Le vainqueur est le numéro 77. Eh ben, quelle surprise. Numéro 77. Votre prix vous attend. La première balle. C'est quoi ça? What? Mais ils sont mariés. Ils vont les pendre. Vous la lancez? Ou vous aussi vous buvez votre café bien noir? Ah mais c'est une lapidation. Ah mais c'est qu'on a un petit timide. Mais je lance au présentateur, espèce de gros bâtard. Portez-moi la vieux salopard. Attendez. La voilà. Alors c'est quoi cette marque, petit? Vous ne savez pas que what? C'est des hommes. Comme ce sale traître de faux berger. Et on ne veut pas voir de faux berger dans notre troupeau. Montrez-lui ce qu'on a prévu. Allez. Non, non, non. Arrêtez-le. Le faux berger, il vous a donné notre agneau. C'est comme une exp... C'est comme une exécution à la lapidation, un coup de batte de... C'est quoi cette ville de ouf? Lorsqu'un sap apparaît... Ok. On peut exécuter. Pourquoi je suis à terre? C'est quoi cette ville de psychopathes? Oh, je suis... elle est choquante cette intro là! Genre et tout machin parce que ça c'est pas. C'est un, c'est ultra raciste. Deux, c'est ultra choquant. Et genre tout le monde était refait. Sérieusement, c'est choquant. Genre, BioShock 1 et 2, t'avais une ambiance malsaine, mais c'était moins choquant. Et merci Miskounon pour être cet émoi. Ah, voilà.
Bon, vous avez pas se faire remarquer, c'est foutu. C'est moi les mecs qui viennent de sauter des... Oh la vache! C'est bien, vise aussi bien que moi. Tout de suite qu'on sache que les ennemis sont déjà réalistes et que leurs idées, pas des monstres générés, ça change tout. Oui, enfin... Je classe quand même dans les catégories monstres dégénérés, des gens qui veulent lapider un couple parce qu'ils sont mariés, parce que c'est une personne de couleur de peau noire et blanche. Je les entre dans fous dégénérés. Mais ouais, From ça a l'air trop stylé à fou psychopathe en deux frames. Ça commence à chauffer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est ou quoi? C'est quoi cette merde? Un tonique. Baiser du diable. Pourquoi pas? On n'a qu'une vie après tout. J'aime bien comment sont mis leurs toniques. Ça change des plasmides. Ah, on peut courir dans celui-là? Press to throw a fiery grenade. Hold and release to create an explosive trap. J'ai vu là-dessus. Je m'attendais pas à ça. Alors comment on change entre les... Clic droit pour lancer une grenade en flamme, ça marche comment? Comme ça, ça me va. J'ai pas vu c'est quoi le nom du truc. Elle a mis mon destin, tu vois. Ah! Ok, c'est A pour changer de tonique, d'accord. Ok, parfait. C'est bien que ce soit A et puis F1, F2, F1000. C'est quoi? Menu, soupe, entrée, vegetable, pastry. Oui. Entrons. Bah, je tue que les gens qui m'attaquent, moi. Je tue que les gens qui m'attaquent, moi. Il n'y a aucune méchanceté en moi. Je ne suis qu'amour et bonté. Et alcool. Ah c'est bon, je gagne full bébé, c'est ce que je cherchais. Le Sunpass va permettre d'obtenir 4 pièces d'équipement d'amélioration dorées pour le 13 et le pour le pistolet. Très bien, incroyable, j'adore les Season Pass. Non.
Il attend de Blue Ribbon. Oui, c'est bon. Vous avez récupéré tout ça, rejoint mon mur. Oui, c'est bon, j'ai compris. Look back at opening day. Ah, attends. Je vais peut-être juste mal regarder. Souvenons-nous de l'inauguration. 93, ouais. Ah, ok, super. 93, on a 1912, truc comme ça. Ah. Nous ne sommes pas seuls. Non, en effet. Pourquoi est-ce que vous me suivez? Nous étions déjà là. Et vous, pourquoi nous suivez-vous? Je... Un apéritif? Je prends tout, hein. C'est très pratique en cas de problème. Ceci pourrait bien vous sauver la vie. Pile ce qu'il me fallait. Okay. Bien. Oh, il y a masse truc sur le... Un homme de santé avant tout. C'est quoi ça? Ok. C'était quoi ça? Surprenant. Surprenant que ça fonctionne? Surprenant qu'il soit toujours en vie. Mais un champ magnétique à répulsion autour de soi peut s'avérer pratique. Si déjà ça ne te tue pas. C'est très vrai. Faut penser à ceux qui jouaient pile ou face avant. Le père Comstock a fait appel à moi aujourd'hui. À moi. Je suis chargé de rédiger sa biographie. Il va me donner une avance pour 100 pages exactement. Je ne vais pas vous mentir, mon côté juif ressort quand on me parle d'argent. Alors quoi? Je lui dis, mon père... Vos ouailles pour en lire 1000. Pourquoi leur offrir moins? Alors, le prophète m'a regardé et il a répondu, 100 pages suffiront. Je connais déjà la fin. C'est décomplexé quoi. Mais genre décomplexé total. J'étais pas prêt. Genre what? Ah mais oui. Bah moi tu peux baisser un tout petit peu le truc croquette en haut à gauche pour qu'on voit mieux la ville bouclée. Oui bien sûr. Bien sûr. Bien sûr Clown Payas. Clown Payas, Dinoculaire. C'est l'âge. Voilà, should be good. 1912, une autre époque. Complètement, ah bah j'étais pas non, mais... j'étais pas prêt du tout. Ah, est-ce qu'il y a de l'équipement dans celui-là? Peut-être E, équipement. I, E, P. C'est pas d'équipement. Je regarde juste, j'ai l'impression qu'il y a de l'équipement, on m'a filé des trucs. Jeu, niveau difficulté moyen. Texte combat, non. C'est quoi texte combat? Oui. Je m'appuie. Clavier souris. Courir, utiliser. Changer d'arme, équiper tonique. On n'a pas l'air d'avoir d'équipement. Bon, c'est très bien. On peut courir, ça c'est le sang coule dans nos rues, alors qu'aujourd'hui même, nous célébrons l'anniversaire de notre sécession d'avec la Sodome inférieure. M. Non, on reprend la partie. Je regarde, c'est beau. Ah, ça monte. Ah oui, parce que c'est toutes les aires que tout change. Je sais pas... Quand le fait qu'il se rentre pas dedans. Je sais pas où c'est Monument Island.
J'imagine qu'il faut que j'attende que ça monte là. Ça peut être l'homme qui tombe à pic. Regardez un peu sur l'espace. Un point d'accroche. C'est les crochets sur les façades. D'accord, merci. Je m'accrochais avec ce grappe-ciel. Merci, c'est les crochets sur les façades. Ce truc doit être aimanté. Ah oui. Salut bébé. J'ai trop l'habitude de pas avoir de munitions de Bioshock. Lancer des grenades à un moment donné. Beaucoup de choses, attention. Ça s'arrête là. Par contre, il est beaucoup plus FPS que les deux premiers, notamment au niveau des vagues d'ennemis, des munitions qui filent et compagnie. C'est, je pense que c'est le côté, j'étais dans une ville et pas dans une. J'étais pas dans une ville en perdition, tu sais, d'esquiver. Là, t'es vraiment en mode. Vrai FPS entre guillemets, pas que les deux premiers soient des faux FPS, mais l'affrontement était beaucoup moins fréquent. Là, t'as vraiment des vagues d'ennemis. Ouais, là, on est plus en mode Rambo. Clairement, on est plus en mode Rambo. Salut. De quoi? Le meeting of the Cold Machines? What? La violence est inutile. La cause est son peuple. Je ne veux pas voir le sang couler. Mais qu'ils fassent quoi, ces pauvres noirs? Vu comment on les traite, ça devait finir par arriver. La violence n'est jamais inévitable. C'est lui, le type qu'ils poursuivent. Filez, ils vous cherchent partout. Police, nous avons besoin de votre aide. Ils sont là. Chut, ne parle pas si fort. Salut. Ah, c'est l'Amérique. Ah oui, c'est l'Amérique tout quoi, dans ce... Là, je me demande si c'est marrant, mais je me demande si en 2020 un jeu comme celui-ci passerait encore aux États-Unis, tellement le pays vraiment radicalisé d'un côté et de l'autre, avec en plus le Gamergate et tout ça entre temps. Je me demande si un jeu comme ça, si ça sort en 2020, ça passe.
naturel de ces mots. Le bouclier se rejoint tout seul, j'ai l'impression. Oui, c'était une affiche anti-racisme avant, bien sûr, c'était une affiche justement pour l'égalité. Ah, les points de vie remontent tout seuls. Ah, mais je sais qu'il condamne les comportements. Je sais qu'il condamne les comportements, justement. C'est justement, je me demande si ça passe dans ce mode. En fait, tu n'aurais pas une vague de harcèlement du studio qui sortirait ça maintenant en mode c'est pas ça la mairie, c'est n'importe quoi, vous dépeignez d'un truc négatif, machin. Vous êtes antipatriotique, etc., etc. Je parlais pas dans le sens où ce serait autorisé. Ah, bien sûr que c'est une dénonciation cachée de tous ces comportements, c'est évident. Mais en fait, ce serait plus en mode. Genre un studio qui sortirait ça maintenant, je pense qu'il. Que sur les réseaux sociaux, ils passeraient pas leur meilleure vie. C'est dans le sens là que je parlais. Pas dans le sens non-dénonciation, justement, dans le sens le fait d'énoncer tout ça. Je pensais plus dans le sens là. Bien sûr que oui, heureusement que le fait de pouvoir dénoncer passerait toujours. Mais justement, c'est le fait de dénoncer qui passerait par. Bon, ça m'a l'air bien, il y a une grande porte. Odemus Patria Nostra Defendare. Notre patrie est défendue par l'Odemus. Odemus, je sais pas ce que ça veut dire. Voilà. Le serpent des nations. D'accord, le shield se régénère quand je peux toucher. Ah oui, donc j'aurais dû full booster le shield. Je suis un âne. L'ordre du corbeau. John Wilkes. Sir Sumter Tyrannis. Ok. Moi je pense que oui, car ils ont récompensé Three Watchmen. Ouais, je mets. What? À nouveau. Ah merde, c'est pas des bros. Pas sûr que les gens se rendent compte parce que finalement ce qui était pointé à la sortie c'est l'ambiance lumineuse et pas le scénario. Ah, possible ça. Ouais, c'est une simple question que je me posais. Dans tout cas, je pense qu'on peut pas avoir de réponse. Columbia a donné aux fondateurs les outils pour bâtir leur nouvel Éden. Ils se sont mis à la tâche sans hésiter. Okay. Pendant 85 années, ils ont travaillé dans le respect du Seigneur. Mais lorsque le grand hérétique est arrivé, il a amené la guerre. Et les champs de l'Éden se sont retrouvés gorgés du sang de leurs frères. La seule émancipation qu'il pouvait leur offrir était la mort. Il est chelou votre ordre du corbeau, n'empêche. Je sais pas quel est le projet, mais votre ordre du corbeau il est chelou. Ok. Alors, le prophète nous fit entrer dans Pékin, où nous trouvâmes à la Sodome inférieure, la vraie mission confiée par nos fondateurs. Et quand les mandarins et les hypocrites de Washington le trahirent, notre prophète ne céda pas.
Il ne va pas implorer leur pardon. Comme nos pères se distancièrent du grand hérétique, notre prophète quitta ses prétendus patriotes et aujourd'hui, nous célébrons ensemble cette sécession. Yeah. Très bien, TP. L'heure du corbeau, c'est un peu le plus cool de l'histoire. C'est un peu l'impression que ça donne. Après, c'est peut-être innocent, hein. Peut-être qu'ils aiment juste mettre des chapeaux pointus bleus sur leur tête. Vous jugez sans connaître. Là, ils parlaient juste de sécession et de Pékin. Je trouve que vous allez un petit peu vite dans les préjugés. Écoutez, c'est pas parce qu'ils sont avec un chapeau pointu bleu. Qui sont pour la lapidation de personnes de couleur de peau différente de la leur, qu'il faut tout de suite les stigmatiser. À un moment donné, il faut savoir faire preuve d'un petit peu d'ouverture d'esprit aussi. Ça n'a pas l'air d'être trop votre cas dans le flash. Je suis un peu déçu. Un peu déçu. Par contre, c'est infini ou bien? En plus, il fait froid dans le ciel, c'est normal de mettre des bonnets quoi. Voilà, c'est pas. Parce qu'on est nazi et raciste, il faut stigmatiser tous les nazis racistes. Ça fait la part des choses, hein. Il y en a encore ? Ah, il y a l'air d'avoir un truc là. Ah, on va prendre la faison de bouclier, du coup j'ai compris, c'était fort. Je me sens déjà mieux. Non, tu vas trop jouer à Skyrim, araignée. Il y a peut-être un voxophone. De quoi le grand libérateur cherchait-il donc à émanciper les Noirs? Du pain quotidien, de la noblesse d'un travail honnête, de bienfaiteurs fortunés qui les entretenaient du berceau jusqu'à la tombe, de leurs vêtements et de leurs toits. Et qu'ont-ils fait de cette liberté? Allez visiter Fington, et vous le constaterez par vous-même. Aucun animal ne naît libre, à l'exception de l'homme blanc. Et c'est votre fardeau que de prendre soin du reste de la création. Oh oui, on en est là. Ah mais j'étais vraiment... J'étais pas prêt. Ah mais BioShock Infinite en 2020. Ah mais oui. Ah mais bien sûr. Ah mais le pire c'est en fait c'est quand tu penses en fait c'est genre en fait c'est pour ça que je dis en 2020 les objectifs secondaires donnent la possibilité de trouver des ressources de valeur. Retournez visiter des lieux et déjà explorer pour trouver la serrure correspondant à cette clé. Ouais, c'est un peu chiant ça. Bon, on peut la retrouver un peu en arrière dans la pièce mais non mais c'est y a pas. Ah ouais, bah en fait c'est sûr en fait quand tu vois tout ce qui se passe aux États-Unis et que tu rejoins Infinite là maintenant en 2020. Pour ça que je dis en 2020 et pas en 2018 ou 2019, parce qu'il n'y avait pas autant de tensions dans la société américaine. Mais c'est pour ça qu'en fait quand tu rejoins. Quand je découvre BioShock Infinite en 2020, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais je sais que je retourne en arrière. Je sais que je retourne en arrière parce qu'ils me disent que je retourne dans les jeux déjà accomplis, que j'ai une serrure. Donc j'essaie de trouver le coffre où il fallait mettre la serrure. Ou la porte où il fallait mettre la serrure. Ah, ils font zéro concession. Mais j'aime bien qu'ils fassent zéro concession. J'aime bien en fait que au moins J'aime bien justement le côté où ils fassent pas de concessions, ils soient
en mode on y va à fond. J'aime justement bien ça, que les jeux qui font des non-dits, qui osent pas montrer, que machin, les autres. La série est vraiment vraiment derrière. D'accord, Space Hill Corp. Ouais, parce que je chercherai pas 1000 ans les objectifs secondaires. Je suis pas un platiniste convaincu. Je suis pas un platiste, ni un platiniste, ni un platiste convaincu. Et donc effectivement, si je trouve pas le coffre ça facilement, je laisserai tomber. On va aller par là. Après 13h cet après-midi, le voyou qu'on soupçonne d'appartenir à la Vox Populi a lancé une attaque violente. Les choses ont vite dégénéré. En proie à la plus grande haine, l'anarchiste a cruellement blessé un groupe de pacificateurs de Columbia avant de s'armer et de décharger son arme sur une foule d'honnêtes. Pour n'importe quoi, je peux taper un autre visiteur. On le considère coupable d'avoir causé le décès prématuré de 8 citoyens parfaitement vertueux de Columbia. N'importe quoi. Platini, c'est Michel Platini, exactement. Genre j'ai déjà de quoi payer, je suis milliardaire. J'ai volé toutes les petites vieilles que j'ai croisées. Ah c'est le... Ok, distributeur, kit de soins, cristaux. Ok. Ah! Ok. C'est moi, c'est ce qu'on appelle une salle de torture. Moi, la personne a pu partir. Ah oui, les études sur le cerveau humain. Ah, la bonne vieille époque où on soignait le... où on soignait l'homosexualité en te faisant une ablation d'une partie du cerveau. Ah là 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 là, on savait s'amuser à l'époque. Sainte mère de Columbia, pourquoi vénérons-nous trois symboles en votre honneur? Nous vénérons l'épée pour que nous puissions vous venger. Nous vénérons le corbeau pour que rien dans la ville n'échappe à son regard. Nous vénérons le cercueil parce qu'il représente le poids de notre échec. Ok. What the fuck? Je veux juste retrouver ma famille. Prisonnier chez noir? Quoi? Qu'est-ce qu'ils font encore ces bâtards? What? Mais c'est téléporté? Le pauvre. Par contre, si t'as pas de notion en histoire américaine, ce jeu peut être mal compris. Oui. Après, c'est l'avantage, c'est que l'histoire américaine ne dure pas très longtemps. Alors l'affiche c'était de la phrénologie, c'était une pseudo-science raciste, mais ça n'a pas de rapport avec le mot. D'accord, merci du steadpunk. Ça n'avait plus à voir avec le génisme. Merci, je trouve que je ne connaissais pas. Moi quand je voyais une fonction du cerveau là, je pensais que c'était pas les pseudo-sciences du cerveau qui s'inventaient à l'époque. Un piège explosif, oui je sais qu'il faut faire un piège explosif. Ça veut dire pêche. Ah!
peut faire ce con. C'est quelque chose ce truc là. J'avoue. J'adore par contre ces petites bouteilles. Je trouve super bien fait. Press to summon murderous crows. Hold and release to create a nest trap. Ok. Clic droit pour enquêter des corbeaux qui vont tuer des ennemis. Clic droit pour poser un ennemi. Là par contre j'ai plus le baiser du diable. Tout se passe bien éventuellement. Ouais, j'ai plus le baiser du diable si je fais ça ou ça, intéressant. Peut-être plus tard. Le faux berger, cet anarchiste, est soit un mulâtre de petite taille. Un mulâtre de petite taille. Un français borgne d'environ 1m45. Oh merde. C'est mieux d'1m45. Évidemment, Team Français Borgne. Pour l'instant, je le trouvais incroyable le jeu. Après, c'est que le début évidemment, mais je trouve la mise en place, du coup, tous les. Tout ce qui sont au final des. Ce qui s'appelle les péchés inhérents des d'Amérique et tout. C'est. Vraiment, c'est bluffant. Je ne sais pas à quoi m'attendre, parce que j'ai jamais joué au jeu. Mais waouh wow, quoi. Forcément, ça n'a rien à voir avec BioShock 1 et 2, qui c'était vraiment pour moi un petit limite un jeu vraiment BioShock 1 et 1.5, tellement les deux allaient ensemble. Mais là, waouh quoi. Pour le sang, c'est le kiff. Ok, on va garder les sous, c'est hors de prix. Ouais, 50$, je peux le faire. Allez, l'achète. Bah, moi, tu penses arrêter le jeu quand? J'ai commencé le live à 10h, donc 10h30, donc vers 18h30 ou plus tôt. Donc, bientôt quoi, dans 7h. Dans 7h. Machine and man into allies. Hold and release to create a ghostly trap. Quoi, cette trap? Mais de toute façon, c'est évident que quand tu prends un risque d'un changement aussi important entre le 2 et Infinite, d'ailleurs c'est le premier qu'on peut appeler 3, c'est évident que tu peux pas plaire à tout le monde. Forcément en fait ça va diviser. Soit les gens vont se couper, soit ils vont détester. En fait, à partir du moment où tu changes, t'as le fait aussi que le jeu est beaucoup plus FPS. C'est ça parce que dans une ville peuplée d'humains, t'es pas entre guillemets l'aspect survival.
Ah tiens, ça n'a rien à voir, mais Alpha est chaud pour le The Event, pour le duel nain versus elf. On a répondu This Night quand je dormais, like of you. Vous êtes un petit peu. C'est bien fait, c'est joli. Non, je suis allé en arrière. Attendez, je suis un peu con donc je préfère check. Non, c'est bon. Ah, c'est la nacelle. Nous sommes désolés, mais Monument Island est fermé. Vous devez partir. Les travailleurs peuvent rejoindre l'île en empruntant l'aérotram. L'aérotram, hein? C'est comme ça qu'ont débarqué tous ces flics pendant la tombe. Oh la vache! Bien passé. C'est ultra stylé. D'ailleurs, Marmotte, j'ai pas pu être là, mais t'as vu, Sinclair, c'est le bro. Ouais, Sinclair, c'est le bro dans Bioshock 2. Je pensais qu'il allait nous trahir et tout, mais c'est le bro finalement. Le Seigneur comprit que la cruauté de l'homme était grande. Il se repentit de lui avoir donné la terre. Le déluge, pendant 40 jours et 40 nuits, et il anéantit toutes les créatures. Voyez-vous, mes amis, le Seigneur lui-même se réserve le droit de repartir de zéro. Et Columbia n'est rien d'autre qu'une nouvelle arche pour un temps nouveau. Je veux bien dire un truc, genre moi c'est à... Je veux dire quelque chose de vulgaire gratuit qui était pas utile. Voyage, je veux dire un truc. Il y a au-dessus. Si je trouve un moyen de grimper plus haut, je devrais pouvoir l'atteindre. Moi, y'a pas que les portes que je veux enfoncer. Enfin, bref. Comme ça, quoi. Fin subtil et délicat, surtout 11h43 du matin. Je joue en normal parce que je suis pas très bon au FPS. Je suis pas très très bon au feu pesseux. Ah oui d'accord, on peut monter comme ça. Ah oui d'accord, oui effectivement je l'ai jamais vu. Ouais c'est effectivement le genre de truc là je l'ai jamais vu. Il y a une chambre là. Genre wesh. Est-ce qu'il y a du vin? Ouais, les indies perso est cool, j'aime bien aussi. Après ça voit que l'évolution graphique a fait son chemin depuis Bioshock 1 et 2. Bah, surtout depuis le 1. Le 2 était très très propre, bah du coup j'ai rejoué hier, le 2 était incroyable. Très très propre. Mais le 1 il était un peu, ça un peu plus vieilli. Et moi j'use les genoux pour qu'il puisse me devenir aventurier. Delaware avec une épée de feu et des ailes angéliques. Protégez-vous.
Qu'il soit bien comme Stock. Bon, je sais pas, vous voulez peut-être m'attaquer. Je sais ce que vous faites là, faux berger. Je vois chaque péché qui pèse sur votre âme. Oui, non, mais... J'étais pas sûr. Whitney, l'agence Pinkerton. Quoi? La boisson et le jeu. Et bien sûr, Anna. Aujourd'hui, pour effacer une dette. Ah, mais il me connaît. Vous venez prendre mon agneau. Mais certaines dettes ne s'effacent pas à mon cœur. D'où il me connaît ? Vous savez rien du tout. Mon domaine est la prophétie, monsieur DeWitt. Le vôtre est la violence. Savez-vous pourquoi ces hommes mourraient pour moi ? Parce que j'ai vu leur avenir dans la gloire. Et cela leur suffit. Qu'est-ce qui vous amène à Columbia, mon cœur? Ramenez la fille et nous effacerons la tête. Ça va mal finir, DeWitt. Et enfin, c'est souvent le cas avec vous, pas vrai? Ça finit toujours mal. Vous venez m'arracher mon agneau, mais votre houlette est mauvaise et votre chemin tortueux. C'est du nez. Retournez dans votre sabbat. Allez-vous-en. Le calme. Voilà. J'ai pris mon cœur, qu'est-ce que vous venez faire à Columbia mon cœur? Mais non, bon cœur. Qui me tire dessus? Je dois trouver les commandes pour rejoindre Monument Island. Les cordes du Zeppelin, ça? Pas de commande, ça? Ça peut être la commande. Salut! Tout va bien. Je te ferai aucun mal. C'est pour ça qu'elle va m'attaquer. Ok, je suis sûr que je peux le faire marcher. Le Seigneur, lui, peut tout pardonner. Mais moi, je ne suis qu'un prophète. Rien ne m'y oblige. Amen. Amen. Oh merde! What? Et voilà pourquoi faut jamais laisser des innocents. Psychopathe. C'est pas passé loin. Toujours jamais avoir confiance dans les religieux. Highland. Quand j'aurais jamais vu avoir confiance dans les rejets, c'est sûr. Bien, nous y sommes. Monument Highland. Monument Highland. Je me demande pourquoi ils l'ont enfermé là. Parce que c'est un asile psychiatrique. Peut-être simplement ouvrir, hein. Parce que je sais pas. Ah.
semble d'aller très bien pour l'instant. Douze heures de quarantaine. Ça sert à rien pour le coronavirus, 12 heures de quarantaine. Hein. Faut leur dire. Je suppose que même dans une zone protégée, les Blancs ont besoin de quelqu'un pour laver par terre. Tous les jours, ils me félicitent pour la clarté de mon élocution, parce que je sais un peu lire. Mais est-ce qu'ils m'écoutent? Tu parles. Ils savent pour la chose en haut. Ils l'observent en cachette toute la sainte journée, tout en faisant semblant de ne pas savoir ce qu'elle fait à cet endroit. Ok. Page 1, 11, 17. C'est un enfant. Ça doit être une femme normale. 72 heures maintenant. Pauvre gamine. Vers un jury Hordes. C'est une chose d'imaginer son avenir, c'en est une autre de le voir. Car j'ai vu les graines des flammes qui prépareront la Sodome inférieure à l'arrivée du Seigneur. C'est Elisabeth qui les sèmera, pas moi. Je chuterai avant que le travail ne soit accompli, mais elle reprendra le flambeau. Le Seigneur me rappelle à lui. Je peux sentir son amour dans chacune de mes tumeurs, elle qui me rapproche chaque jour un peu plus de lui. Et je m'en vais la joie au cœur, sachant qu'Elisabeth prendra ma place terrestre. Ça marche, Elisabeth. Mais le faux berger sera bientôt là, et il tentera de détourner mon agneau de son chemin. Je ne quitterai pas cette vie tant qu'elle ne sera pas à l'abri de ses illusions. Merci, Lysander. Pour le Gaming Prime, merci beaucoup. Specimen location. Le dressing, c'est là que je dois aller. On est d'accord, Specimen, c'est bien. Femme, c'est chelou. Où est-ce elle? C'est elle. Paris. La Tour Eiffel. Et pourquoi l'a enfermé là? C'est chelou as fuck. C'est Emily avant qu'elle vienne d'apparaître. Ah, a priori elle a des pouvoirs. Wow. La revanche du Jedi. Pire en pire, ce boulot.
Je suis assez d'accord avec toi. Qu'est-ce qui rend cette fille différente? Je pense qu'il s'agit moins de ce qu'elle est que de ce qu'elle n'est pas. Une petite part d'elle-même a conservé ses origines. Il semblerait que l'univers n'aime pas trop mélanger les torchons et les serviettes. Cyrus Tick. La bibliothèque. N'empêche. Oh, ah. Merde. Oh, très bien. Je peux le faire. Ah, on est dans la statue. What? Chelou. Booker. Bonjour. Bah. Arrête ça, non mais arrête! Tu vas arrêter! Je veux pas te faire mal. Qui êtes-vous? Je m'appelle DeWitt. Je suis un ami. Je suis là pour te libérer. Laissez-moi! C'est bien vrai. Aussi vrai que possible. Elle lui manque un doigt. Il arrive. Vous devez partir. Pourquoi? Il ne doit surtout pas vous trouver là. J'arrive tout de suite, je termine de m'habiller. Je peux te faire sortir d'ici. Il n'y a pas de sortie, croyez-moi, j'ai cherché. Arrête, sois un peu patient, ça suffit. Et ça, c'est quoi? Comment ça? La sortie. De quoi vous parle? Donnez-moi ça. Bah oui, c'est sorti. Hop. Venez, par ici. Ah, je me dépêche, je me dépêche. What? C'est sa mission de me garder enfermé. Ça qui coûte rien d'essayer. Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Alors, je suis un détective. Je suis payé pour te sauver. Par ici, venez! C'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc qui fait des trous gigantesques? Appelle l'ascenseur! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Appuie sur le bouton! Tout ça. Alors il me surveillait depuis le début. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils m'ont enfermé, hein? Bah justement, c'est ce que je cherche. Quoi? Je suis quoi, moi? Tu es la fille qui va s'enfuir de cette tour. What? C'est quoi ça? Quel homme? On dirait un corbeau mécanique géant. Bah ouais, on dirait bien. Je veux bien une réponse, mais elle est vulgaire. Ah, c'est bon, ça sauvegarde tout seul la game, c'est ça qui est bon. What? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que cette daube? Meilleure vie quoi.
On était dans la statue gigantesque quoi, qui est quasiment détruite. LOL, tu l'as détruit. Très bien. Ah c'est ça, c'est un corbeau géant. Mais détruis tout. Mais y'a de l'eau. C'est quoi ça? Ah c'est un corbeau géant. J'aime pas l'eau. Monsieur DeWitt. Monsieur DeWitt. Ramenez la fille. Oh. Ne sais pas. Nous effaçons la dette. Vous êtes là, DeWitt? Hein? Qu'est-ce que vous lui voulez? Nous avions un marché, DeWitt. Chaque fois que je vous la porte, il y a des trucs chelous derrière. Anna. Nanana. On m'a dit de raconter la vie de ce qu'elle m'entend, il faut juste qu'elle accepte de me suivre. Anna. Oh. Anna. Non, c'est moi, Elisabeth. Vous allez bien? Où je suis? De retour parmi les vivants. Tenez, je vais vous... Non, ça va aller. Vous avez failli vous noyer, vous devez... Ça va aller, je te dis. Laisse-moi le héros le moins sympathique de l'histoire des héros. Vous entendez? Oh, de la musique! Vas-y, continue. Je vais... Très bien, je ferai vite, monsieur DeWitt. Quelle mauvaise idée! Quelle mauvaise idée! Elle est où? Donc, Monument d'Island, c'était là. Ah, c'est maillot de bain de l'époque. Non, pas ici. Vous avez vu une fille? Elle a une jupe bleue, non? Non. Mais je me sens un peu seule. Si vous vous ennuyez... J'arrive, chérie. Pas la peine de me faire... Hé, s'il vous plaît. Je cherche une jeune fille. Avec une blouse, les cheveux châtains, les yeux bleus. Indirigeable. On va peut-être réussir à s'enfuir. Voilà, elle est là. Hé, hey, oh. C'est peut-être la première fois de sa vie qu'elle sort enfermée. Elisabeth. Oh, c'est vous, c'est merveilleux. Oh, dansez avec moi, monsieur DeWitt. Non, je danse pas. Allez, on y va. Pourquoi? On est drôlement bien ici, non? Et si nous allions à Paris? Paris? Je ne comprends pas. Comment on irait? C'est là que va ce dirigeable, mais si tu veux rester et danser un peu, à toi. Non, allons-y. Allez, on y va. On y va, vite, allez. Je suis sortie. Je sais que c'est dur à croire, mais c'est vrai pourtant. Oh, vous sentez ça? Je n'ai rien senti de pareil de toute ma vie. Et vous? Non, il n'y a pas moyen de grossir le sous-titre. Mes plages à moi ne sentent pas comme ça. Ton perso, c'est vraiment le pire, oui. Monsieur DeWitt, Comstock. J'ai entendu parler de lui. Il paraît qu'il peut lire. Ou alors c'est un peu lui qui t'a enfermé. Donne un peu de pouvoir à un homme. Il ne manquera plus jamais de vanité. Bonjour, je n'aime ça pas très bien. Vous n'aimez pas l'apparence du prophète? Ou son regard? On peut partir. C'est bien, elle fait tout un génie qui découvre un univers, alors que nous, on fait le vieux blasé.
Cette petite baignade ne vous a pas fait du bien. Laissez-moi chercher de quoi vous soulager un peu. De l'alcool ? Monsieur DeWitt, là ! Venez voir ça ! L'oiseau ? Ou la cage ? Ou alors, ah, c'est deuxième photo. Il vaut mieux la cage. Encore eux ? Mais comment ? Bon, peu importe. Bah, l'oiseau. Regardez, c'est incroyable. Lequel préférez-vous ? Celui-ci ou celui-là ? L'oiseau. L'oiseau est magnifique et la cage est lugubre, mais elle a vraiment quelque chose de spécial. L'oiseau. L'oiseau à droite. Vous êtes sûr ? Certain. J'adore. Tiens donc, j'aurais dit la cage. Si tu ne sais pas perdre, la prochaine fois, ce sera sans moi. Oh diable, tes sophismes. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Qui d'autre ferait. Regardez. Tu vas bien ? C'était chez moi. Vaut mieux pas rester ici. Allons-nous-en. Où était son beurre pour nous protéger ? Ah, son beurre, c'est le truc géant. Vous devez être en mesure de présenter une pièce d'identité munie d'un photogramme. Les bras en l'air ! On écarte les doigts et les jambes ! On bouge pas ! Restez tranquille. Bon, je passerai pas par là. Je sais comment faire. Venez. Regardez-moi ça. Hé, le flic. Regarde-moi celui-là. Il a l'air louche, moi, je trouve. Je ne vois pas du tout l'intérêt d'arrêter tout le monde pour trouver cet homme. Très bien, ferme-la un peu, Pete. Rentre chez toi. Ah, c'est fermé. Il suffirait simplement de désinfecter Fimton. Mais qu'est-ce que tu fais ? Vous êtes agaçant. Qu'est-ce que j'ai l'air de faire ? Voilà. Mais voilà, bien sûr, elle s'est crochetée. Tu l'as pris à crocheter. Quand on est enfermé dans une tour, les journées sont longues. Vous n'imaginez même pas ce que je sais faire. Ne voir aucune arrière-pensée, ne voir aucune arrière-pensée. Dès qu'une tâche est un peu fatigante, c'est toujours pour ma pomme. Ou alors ils font... Oh. Bonjour monsieur, faut pas faire attention à moi, hein. Je raconte un peu n'importe quoi, je suis un peu fou. Hé, hey, j'ai trouvé de la monnaie. Il y a un distributeur là-bas. Vous y trouverez peut-être de quoi vous soigner. C'est probablement une bonne idée. C'est vrai que j'ai perdu pas mal de PV. Allez, on achète. Hop. On est bien. Hé, hey, dites monsieur, on aimerait vous aider. Je vous connais. C'est eux qu'on a sauvé la vie. À la tombola, vous avez... Sans vous, on n'en serait pas sortis vivants. Daisy avait prédit la venue de quelqu'un comme vous. J'ai dit, pourquoi tu gardes encore ta corde autour du cou ? Hé, monsieur ! Est-ce que vous auriez l'heure ? Non. Prenez le pause, prédifère fondateur de notre édition, repartez avec un photogramme, la battue le cerisier. Ah oui, le cerisier, comme on retrouve dans The Eye of the Tentacle d'ailleurs. Cerisier qu'on retrouve dans Day, d'ailleurs. Annabelle ? Pardon ? Annabelle, c'est moi, Esther. Oh non, vous devez faire erreur. Vous êtes sûre ? Je m'appelle Elisabeth. On se connaît ? Elisabeth, c'est un très joli prénom. C'est... étrange. Étrange. Allez. Dernier client, on ferme le parc. On ferme le parc, tout le monde. Ouais, vos chaussures mériteraient un bon coup de cirage. J'ai pas dû faire très attention. Eh, hey, faites attention, oh, désolé. Je viens de nettoyer. Vous faites aussi du chou ? Du chou ? Je suppose. J'en prendrai un. Combien ? Une pièce d'argent. Eh ben, très bien. Aucune idée. Je crois qu'il porte quelque chose. Hé, il est avec elle. Oui. Hé, je crois qu'on va... Deux billets pour monter sur le dirigeable, première dame. Ouais, une minute, l'ami. Oui, je l'ai. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? J'ai pas trop le temps, l'ami. Hé, monsieur !
Bien, compris. Je vous rappelle dès que ce sera terminé. Ah, j'aime pas ça. Envoyez l'oiseau. On est prêt à commencer. Ne bougez pas! Allez! Qu'est-ce que vous faites? Attrapez-la! Ne me touchez pas! Avant tout, je vous... Laissez-moi! Elisabeth! Laissez-moi tranquille! Elle est sortie comment? Elle a traversé le truc? What the fuck? Ne me forcez pas la main. Vous le voyez? Continuez à tirer! Allez crier en enfer! Je sais pas comment elle a fait pour passer, mais elle est trop forte. Tout le coup, elle avait un pouvoir qui lui permettait de passer, elle a des pouvoirs chelous. Cacher un traître. Les anarchistes se cachent partout. Le prophète vous demande de garder l'œil ouvert. Et maintenant, l'heure a sonné. Le faux berger est là. Ce n'est pas le jour annoncé, mais la prédiction du prophète est tombée juste, une fois de plus. Le sujet de notre mission doit être capturé vivant. Si elle meurt, l'oiseau nous fera payer, et il n'aura pas la moindre pitié pour nous. C'était ma sixième cigarette. Je ne supporte vraiment plus d'attendre. Faut arrêter avec la cigarette, hein. Elle est où? T'as bien de réponse, bien du coup. C'est pas vrai. Ne bouge surtout pas! Laissez-moi tranquille! Hey, reviens par là! C'est parti! Vous les avez tués? Je n'arrive pas à y croire. Oui, ils c'est vous un jeu. Vous avez été sans pitié! Elisabeth. Vous êtes un monstre! Comment tu pensais que ça allait se finir? Quoi? Tu as vu le mal que ces gens se sont donné pour te garder enfermé dans cette tour? Tu crois qu'ils vont te laisser partir comme ça? Pour eux, t'es un investissement. Et tu ne seras en sécurité qu'une fois parti loin d'ici. C'est pas faux, mais il a raison! Qu'est-ce qu'ils veulent faire de moi? Je l'ignore. Mais tu peux me croire. Si tu ne tires pas le premier, tu ne tireras jamais. Crois là cette expression. Je prends quand même un doigt. Vous saignez. Venez. Ce qui s'est passé là-bas, c'est... Ce n'est que le début, c'est ça? Oui. J'en sais rien. Là. Je suppose qu'il faut que je m'habitue. Vous savez, j'ai lu quelques livres qui parlaient de médecine. Je vais faire de mon mieux pour vous fournir un remède. Bah, merci. Et en cas de blessure plus grave, je ferai en sorte de rester avec vous. Merci beaucoup. C'est gentil. Se dire pas le premier, tu ne tireras jamais une expression pour atteindre Marmotte, évidemment. Grand joueur de FPS, Marmotte. Allez. Mémorial, c'est-à-dire que tu meurs, oui. Ouais. Allez, faut pas bouder. Porte est fermée. Comment va-t-on pouvoir rejoindre le dirigeable? Voyons si je peux ouvrir cette porte à la main. Non. Si je pouvais trouver de vrais crochets, j'arriverais peut-être à ouvrir cette porte. Tu J'ai peux vu des choses très intéressantes de l'autre côté. Allez. Faut trouver un crochet, voici 5 autres pour essayer d'avoir joué à Industrial Revolution. Quoi?
Bonne soirée à vous aussi. Y'a pas un inventaire à un moment donné ou un truc comme ça? Non. J'ai l'impression que j'ai trouvé un fusil à pompe. Je fouille rien du tout depuis tout à l'heure. J'ai l'impression que j'ai trouvé un fusil à pompe mais qui me l'équipe pas. Bien. On dira qu'on s'est perdu en cherchant les toilettes. Et ça marche, ça? En général, non. Elisabeth, un petit coup de main? Oh, ça ne prendra pas de temps. Point faible, trop forte. Oh, racial purity, mais bien sûr, quelle bonne nouvelle. Tenez, de l'argent. Chez les Comstock, les journées étaient simples. Le travail était dur, oui, mais simple. Essorer le linge, récurer le sol. Madame Comstock nous glissait même parfois une gentillesse. Ça aurait presque pu suffire à me faire croire que j'avais ma place dans leur monde. Mais Dieu a créé les ingénus pour être sûr de ne jamais s'ennuyer. Vraiment un autre, pas de problème. Le hall des héros. Le mémorial. Bâti en 1903 par notre prophète. Comment tu sais tout ça? Qu'est-ce qu'un prophète a à voir avec un carnaval et des manèges? Sa fonction est de promouvoir le service national aux jeunes générations. Okay. Tu veux parler de l'armée? Expliquer aux enfants les bases du devoir, ils sauront s'en souvenir même une fois adultes. C'est de toi ça? Non. Ok, ah et c'est ça, donc nous on est Main Street là, machin, d'accord. En fait c'est un plan. Ok. Comment tu trouves le jeu? Parce que pour l'instant j'adore. Très différent de Bioshock 2, mais justement c'est... le passage. C'est ce côté très différent qui me plaît. L'électroquartz, le meilleur des générateurs. Un genre d'électricité, sûrement l'idée d'un fou. On dirait que ça ne marche pas très bien. En fait, il suffisait de soulever la grille. Voilà, Soldier's Field. Bah, ça fait faire bim bam boum. Vous y voilà, la première dame. Il se dirige vers le quai. Et il nous emmènera à Paris? Ne t'éloigne pas. Oui, monsieur DeWitt. Booker. Oh, très bien, Booker. Booker, ça me fait penser à Boomer dans Battlestar Galactica. Vous voulez rejoindre la nacelle? La pilote badass. Je suis sûr que nous trouverions des choses. Qui était terrible parce que du coup, vu qu'elle s'appelle Boomer, elle passe à dire OK Boomer dans tout Battlestar Galactica, ça me perturbe. OK Booker marche aussi d'ailleurs. Elle est très très bien Battlestar Galactica d'ailleurs, si meilleure série space opéra de l'univers. Je crois que ce sont les commandes qui la dirigent. Ça ne bougera pas si on n'a pas d'électroquartz. Bien entendu. Et où on va trouver elle ça exactement? Elle m'engueule. Découvrez l'avenir de l'énergie dans l'antre des héros. Ah, ben voilà qui tombe à pic. Ah mais je peux pas spécialement accrocher The Expanse. Dans les rues de notre belle cité, aurez-vous la honte de voir vos femmes et vos filles tomber sous le charme de ces mensonges? Ou agirez-vous? Agissez pour vos femmes, agissez pour vos filles, agissez pour votre prophète. What? Ok. Je peux accrocher The Expanse. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui en ont dit beaucoup bien, mais je suis pas du tout accroché. Ah, notre décroche supplémentaire, nice. C'est peut-être pas par là. Team complètement perdu. Ah, le Hall of Hero, il est là.
au personnage. Pardon, Zexon, j'ai pas du tout accroché au personnage. Il y en a aucun qui me supporte tous. Vous a envoyé me chercher ? Je suppose qu'on voulait faire ta connaissance. Sûrement pour apprendre à crocheter des serrures. Pourquoi vous ? J'avais jamais entendu parler de cet endroit avant de venir. Je croyais qu'en bas tout le monde connaissait Columbia. Non. J'ai pas dû suffisamment suivre l'actualité. J'aime bien. Quand j'étais petite, j'ai rêvé que je me tenais dans une pièce et que je regardais une fille qui était à la fois moi, mais sans être moi, qui elle-même regardait une autre fille qui était elle aussi moi, sans l'être. Ma mère a cru que c'était un cauchemar, mais moi, j'ai compris que c'était le début de ma carrière dans la physique. Encore ? Je trouve les ennemis beaucoup moins mobiles dans celui-là, donc c'est beaucoup plus facile pour l'instant, après parce que je fais des vidéos, ça joue. Entre des héros fermés jusqu'à nouvel ordre. Bien, on n'aura pas à faire la queue. J'adore ce perso. Tellement désabusé de la vie. Oh, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un problème ? The Songbird. Non, rien d'insurmontable. Oh, une abeille. J'ai horreur de ça. Eh ben tu l'as alors. Non, elle va me piquer. Elisabeth. J'ai une bien meilleure idée. J'essaie d'ouvrir une faille. Oh, vache. C'est quoi ça? C'est une faille. J'en ouvrais très souvent quand j'étais dans ma tour. Tout va bien. C'est quoi une faille? C'est comme une fenêtre. Une fenêtre vers un autre monde. La plupart sont d'un ennui mortel. Une serviette d'une autre couleur, du thé au lieu du café. Mais parfois j'y vois de vraies merveilles. Et je les fais sortir. Et voilà. Incroyable. J'imagine que t'y caches pas un dirigeable. Je ne crois pas, non. Mais j'y vois quelque chose. Oh non! Referme-la. Je fais que ça! Referme-la! Notre je comprends pas très bien ce que je viens de voir là-bas, mais je suis prêt à parier que c'est un truc qui nous fera tuer. Mais je pourrais... Je suis de taille à affronter ce qui nous attend, crois-moi. Faites ce que vous voulez, je suppose. Petit fusil à pompe. Ouais, c'est George Washington, tout à fait. Tine. J'aurais besoin d'aide là. Ça devrait être facile. Should be ok. Allez-y. C'est une dame. Dans un coffre. Ah là, il faut 5 crochets. Nous sommes riches, monsieur DeWitt. Ah ouais, pourquoi? Hop, tiens, je suis bien avec sa femme. J'ai servi 40 ans dans l'armée.
et chaque terre païenne que j'ai pu traverser s'en est retrouvée dépeuplée. Je n'ai jamais eu de haine envers l'ennemi. Jusqu'à aujourd'hui. Comme Stock, il a transformé mes batailles en véritable farce. Et c'était pas comme leur héros. J'ai osé dire qu'il mentait, alors il m'a privé de son grade. Cet homme n'a jamais connu la sauvagerie de guerre. Mais ça ne saurait tarder. Press to launch your enemies into the air. Hold and release to create an eruptive trap. Donc Cornelius, c'est peut-être pas un gentil. Cornelius, peut-être qu'il kiffe pas trop. Nous donnerons une leçon à Cornelius Slate. Je sais que vous considérez tous Cornelius Slate comme un véritable héros de guerre. Mais laissez-moi vous dire, Cornelius Slate n'est pas un héros. Il vit à Finkton depuis si longtemps qu'il passerait pour un autochtone. Si on laisse faire Slate, les gens de couleur et les mangeurs de patates. Ouais, j'aime bien les patates. De chez Comstock ou de chez nous. Ils forniqueront avec nos femmes. Il est allé se retrancher dans l'antre des héros. Ok. Et c'est à nous de le faire sortir de là. Vivant ou mort. Quand nos vaisseaux seront là, nous lancerons l'assaut. Nous les délogerons. Et vous serez rentrés pour dîner. Madame. À la hauteur pour toi. On appelle l'homme au fusil à pompe. Je joue à Doom Eternal. C'est bon là, fusil à pompe. Tac tac. Un corpo, Booker. Oh lol. Il y en a plusieurs, c'est bon. Merci Elisabeth. Elisabeth qui carry tellement. Maintenant que j'y pense, bien. Je me dis que tes failles pourraient bien nous servir en cas de problème. Ah bah oui, évidemment. J'espère oui, bien que nous servirons. J'ai bien trouvé une faille à utiliser dans le coin. Je peux pas non plus les faire apparaître. Ok. Voilà. On ne peut plus utiliser la nacelle pour rejoindre l'antre des héros. C'est sûrement t'inquiète, fermé à cause de ce qui se passe avec Slate. Ça va être parfaitement fantastique. Elle est motivée. Tu crois que ton œil de lynx pourrait nous permettre de trouver des munitions? Ça me serait bien utile en cas de problème. Ça demande un peu d'effort, mais je ferai de mon mieux. Merci, œil de lynx. Toujours en quel mode difficile? Normal, parce que je suis un homme normal avant tout. C'est dégagé. On peut prendre l'aérotrame pour l'entre des héros ou chercher du matériel dans ce bar plus bas. Trop tard. Youhou. Ok. Elle est toujours derrière, c'est pas toujours derrière. Mon maîtresse peut perdre Elisabeth. Slate, figure-toi que je le connais. Ah bon ? Il est toujours aussi doué pour se faire des ennemis.
Hop, les escaliers, je suis teubé. Teubé marmotte, essaie de faire des sauts alors qu'il y a des escaliers. Il va pas avoir que deux armes, c'est nul. Long to look at. Team fusil à pompe forever. Ah, ça, là, il Hall of, ah, passage de Heroes à War, très bien. Booker, prenez ce fusil. J'ai trouvé des munitions. Un tireur d'élite, faites attention. Désolé, c'est tout ce que j'ai. Mais oui, l'entraînement PUBG qui pèse. Trouvons vite cet électroquartz et décampons d'ici. L'entraînement un peu UBG. Je vais tâcher d'en trouver d'autres. Merci beaucoup. J'ai l'air de faire n'importe quoi. Merde. Merde. Terrible. Bon. Ah, c'est ce les ennemis. Très bien. Marmotte, ce que vous avez pour les 400 000 points, mais qu'as-tu fait? Bah, en fait, ce que j'ai fait pour les 400 000 points, c'est qu'actuellement j'ai trois trucs en retard sur les 400 000 points, donc je peux pas les accumuler non-stop, donc je le remettrai quand j'aurai fait les 3 que j'ai en retard. Et je vise les jambes, j'essaie de pas tuer les gens. Vous pouvez pas comprendre ça, bande de criminels. Ça, vous pouvez pas comprendre, j'essaie de juste tuer les gens pour pas les tirer les gens pour pas les tuer. Mais non, ça tout de suite, ça a des pensées malsaines, bande d'obsédés. Alors après, vous pourrez m'objecter que les chevilles au fusil à pompe, ça fait un peu mal. Sur ce, je ne suis pas d'accord. J'ai trouvé de l'argent. Vous voulez ? Merci, madame. Génial. Entrons dans l'entre des héros. Entrons dans l'entre des héros. Rares sont les hommes qui prennent position pour Dieu et la douce mère patrie. Mais ici, nous vénérons les héros de notre cité chérie. Quoi, tu as retiré les 4 semaines pas provisoirement? Oui, je viens de le lire, Sakama. Parce qu'en fait, j'ai 3 lives de retard avec tester des jeux. Et tant qu'ils sont pas faits, je vais pas rajouter en boucle pour pas avoir des trucs à faire jusqu'en décembre. Donc je remettrai les 400 000 points. Ou les 500 000, parce que c'est 500 000 au début. Je les remettrai quand ce sera. Quand j'aurai fini les 3 lives là. Parce que pour l'instant, j'ai trop de choses à faire pour pas me permettre de rajouter des lives tout en même temps. Une fois notre tâche accomplie, ils nous traiteront d'assassins. Cornelius Slate, le redoutable crochet du gauche de la Vox Populi. Nous échangerons le mensonge de Comstock contre un nouveau. Enfin, qu'il en soit ainsi. Cette Daisy Fitzroy et sa Vox Populi sont mes camarades. Mais seulement par nécessité. Je ne crois pas que les hommes qui ont ensanglanté la toge de César auraient continué à se fréquenter en temps de paix. Maintenant que Comstock est parti. Notre prophète, le père Comstock, commandant de la 7ème cavalerie. Il a jamais mené la 7ème. J'ai absolument aucun souvenir de ce type. Le caporal DeWitt a bien prouvé sa valeur ce jour-là. Oh mon dieu. Slate! Slate, c'est toi? Tu as toujours été différent, pas vrai, Booker? Toi, tu cherches pas la gloire. Bon, je vois bien que c'est pas vraiment le meilleur moment. Si tu pouvais juste nous laisser aller trouver cet électroquartz, eh ben... Ce soldat de plomb comme Stock veut notre mort. On ne le laissera pas faire. Chut. Je crois que les ennuis approchent. Mes hommes n'ont plus qu'à choisir. Mourir aux mains d'un soldat de plomb ou d'un
prêt, soldat. Il est un peu fou, non? Wouah. Pardon. Je fais quoi de mon pote? Il pouvait se remettre sur les ailes si tu les gardes. Je vais faire les deux. Tu vois? Tu vois, tu es un tueur, Booker. Que tu le veuilles ou non. Donne-nous l'électroquartz. Si tu veux ce tonique, Booker, donne à mes hommes une mort honorable. Ils t'attendent okay. À Wounded Knee et à Pékin. Je vais essayer de vous trouver des munitions et du matériel. Mais ce n'est pas toujours facile à trouver. Battle of Wounded Knee, mais a dit que c'était là qu'il voulait qu'il y ait la bagarre. Le soldat de plomb s'est approprié les exploits des vrais héros. Mais ton compagnon, jeune fille, il s'est couvert de gloire le 29 décembre 1890. Qu'est-ce qu'il veut dire? Vaut mieux pas que tu le saches. Sanglante sous les clameurs, il danse parmi nos morts. Vous y étiez, à Wounded Knee. Je le vois sur votre visage. Dis-lui, Booker, dis-lui comment on a retourné le champ de bataille, comme les héros de Sparte. Moi, j'entends encore les hurlements, mais comme Stock, lui. Attrapez-les ! Voilà le soldat dont je parlais, le genre d'homme que Comstock réprimait. Pardon, c'est moi. Vous pensez que vous pouvez m'arrêter? Sachez que ça n'a rien de personnel. Ah, c'est Elisabeth. Je refuse de faire ça, Slate. Donne-moi juste ce que je veux. Très bien. Mais donne-moi aussi ce que je veux. Essaye de me retrouver parmi les boxeurs. Qui sont les boxeurs? Les Chinois. Il veut qu'on aille voir l'autre exposition. Tu les entends, les soldats de plomb de Comstock venus nous faire taire? Nous sommes les vrais patriotes. L'histoire qui n'a pas sa place dans leur livre. Psychopathe. Pardon. Il y a que deux armes. Détends-toi. Tout va bien se passer. Voilà ce qui trace quand on ne passe pas son PTSD. C'est un peu ça. Et voilà comment ils représentaient les Chinois à l'époque, c'était terrible. Mais qu'est-ce que c'est? La révolte des boxeurs. Comment ça a fini? Mal. À Pékin, c'est ma main qui a réduit la ville en cendres. Bien sûr, ce n'est pas la version de Comstock. Alors, tiens, est-ce qu'on peut... Que bon. Hey, qui est là? C'est le moment! T'as pas encore vu les boutiques en automate, quand même. Je suis pas quelqu'un qui dépense de l'argent, je suis un nain. Les nains, ça thésaurise.
Les nains s'athésorisent. Le teint jaune et les yeux bridés. Moi je cherche une banque pour gagner des intérêts. L'arme à la main. Mais il se retrouve sur... Ah, je connais, c'est Comstock qui a mené les troupes de Columbia à Pékin et... Comstock n'était pas là. Les boxeurs ont pris mon œil et 30 de mes camarades. Y a-t-il au moins une pierre pour commémorer ce sacrifice? On me cherche, on me trouve. Vous vous croyez assez fort? Moi, on vient de se faire sauter. Moi, je vais te faire sauter. C'est bien, tire pas sur Elisabeth, c'est folie. Tu leur as fait une fleur, Booker. Tu les as laissés mourir comme des hommes. J'ai rien contre eux. J'avais rien demandé, moi. Un héros se fait tout seul. Je me considère pas comme un héros. Alors tu es quoi? Si on supprime tous les aspects de Booker DeWitt que tu essaies d'effacer, que reste-t-il? Elle retourne. Reviens dans la rotonde. J'arrive. C'est bientôt la fin. Mais pourquoi tu veux que je te tue? Des psychopathes, tous des psychopathes. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce que vous effacez? Maintenant que t'es sorti de ta tour, tu vas peut-être finir par le regretter. Je préfère avoir le choix, monsieur DeWitt. Quel que soit ce qu'il m'en coûte. Merci. Vraiment. Et si tu te réveillais un beau jour et que tu réalisais que tu t'es trompé? Petit lingot d'argent. On aime les lingots d'argent. Ça me parle. Ça, tu suis l'histoire? Ouais, l'histoire est facile à suivre hein, pour l'instant. C'est pas très compliqué. Hein, c'est pas par là qu'on est venu. Je suis un peu teubé moi. Je vais détourner. J'ai ce que tu es venu chercher, Booker. Tu me trouveras derrière le monument de la première dame. On a perdu Elisabeth. Elisabeth! Elle est où Elisabeth? Elisabeth! On peut penser ce qu'on veut de Madame Comstock. Cette femme avait des goûts très assurés. Ah, c'est là. Parce que je n'étais pas bonne alors. C'est pour ça. C'est Schneer qui a demandé Secret World. Tu vois ce que Comstock a fait de mon histoire. Regarde comme il réécrit la sienne. La progéniture du prophète n'eut besoin que d'une semaine dans le ventre de notre première dame. Comstock a eu un enfant. Je n'ai jamais rien lu à ce sujet. C'est un sacré oubli. C'est probablement pas un accident. Mais l'enfant tomba malade, et Madame Comstock pria pour lui jour et nuit. En même temps, au bout d'une semaine, c'est normal. Ou alors elle a fait un gros déni de grossesse. Voilà ma tour. Écoutez, Daisy Fitzroy a assassiné ma bien-aimée. Mais elle n'aura pas l'enfant. Elle n'entravera pas la prophétie. La progéniture du prophète montera sur le trône et déchaînera les flammes sur les choses. Tu es la fille de Comstock. Non, oui. Impossible, je... Mais non! Il veut que tu continues ce qu'il a entrepris. Et moi, j'aimerais un poney! Mais on n'a pas toujours ce qu'on veut! Un poney! J'aimerais un poney! Et moi, j'aimerais un poney! Tu peux me crocheter ça? Ah là là!
quand même ouf. Comment c'est bien dit. Il y a quelques passages un peu FPS qui étaient un peu en dessous là, mais là du coup ce lieu est doux comme tout est mis, etc. C'est vraiment bien foutu. Ouais, les décors sont vraiment bien faits. Moi je peux passer, mais vous êtes trop large. Vous êtes trop large. Je vais explorer. Ah, peut-être qu'on va switcher voir s'il de y a un moyen d'avancer. Point of view. Là. Vous voyez ce point d'accroche? Est-ce que... C'est une faille. Je peux faire venir des choses dans ce monde. C'est un point d'accroche. Ça tombe plutôt bien. Je vous l'ai dit, les failles répondent à mes souhaits. Elisabeth. Voilà. Je crois que d'autres surprises nous attendent. Dès que je suis anxieuse, des failles se mettent à apparaître. Ok. Booker, vous voyez ces failles? Elles peuvent nous aider à nous battre. Ok. Cette faille nous permettra de prendre de la hauteur. Et celle-ci nous donnera une tourelle. Une couverture. Ça va, elles sont pas nombreux. Tiens, celle-là! Une tourelle, vite! Pardon. Voilà. D'autres. Par contre, c'est des vraies séquences FPS par rapport à... Ce que j'aime bien, c'est que c'est des vrais séquences d'FPS et j'ai pas le côté Dead and Retry qui. Impressionnant ce que j'aimais moins dans Bioshock 1 et 2. As-tu seulement idée de la valeur de ton jouet? Ça suffit, Slate. On a besoin de ce tonique pour quitter Columbia. On le prendra par la force s'il le faut. Slate! Chargeur amélioré. Taille du pistolet, j'ai pistolet. Tenez, gardez ça. Madame. Je te remercie. Essaie de repérer ce tonique électroquartz. Corbeau meurtrier boosté, mais c'est des diables, c'est nul. Ah, j'ai une carabine? Non, j'ai un fusil à pompe. Du chargeur du LR, c'est quoi? C'est le fusil à pompe LR? C'est cher. C'est quoi LR? Hein, c'est lance-roquette, je suis con. Je fais quoi comme arme, moi? Je fais ça. Et ça. Lance-salade, ça doit être ça. On va acheter ça. J'ai rien pour le fusil à pompe, donc. Hein. Et essaie de pas me faire croire que c'est une carabine, c'est un pont. Des soldats de plomb, Booker. C'est ce que Comstock veut faire de nous. Des rouages et des câbles à la place du cœur. C'est quoi ça? What? Qu'est-ce que c'était que ça? Tu vois, Booker? Peut-être es-tu toujours l'homme que j'ai connu alors? Oui.
Peut-être as-tu changé. Peu importe, Comstock a pris notre passé quand même. Et effacé notre âme. Aujourd'hui, il veut ma peau. Et quand ce sera fait, il ne restera plus que le mensonge. Donne-moi ce que je suis venu chercher. C'est fait. Ça, on pourra pas crocheter. L'endroit a été mis à sac. Il n'y a plus d'électroquartz. Slate a dû tous les prendre. Regardez. Non, il y a une trace au sol par contre. Est-ce que... Slate... Il est là. Ah oui, c'est par là, ok. Qu'est-ce que c'est? La flotte de Comstock. Il vient affronter Slate. C'est Slate qui a tué pour son pays à Wooden Knee. C'est Slate qui s'est battu à Pékin. Slate! Slate! Comstock arrive, Booker. Mais il veut plus que nos vies. Oh oui, son but ultime, c'est de nous transformer en plomb. Je l'en empêcherai. Il a pris mon passé, mais il n'aura rien d'autre. Donne-nous le tonique, on n'a pas besoin d'en arriver là. Et voilà, les enfants, une vraie mort de soldat. Eh mais, hé, leave me alone. C'est pas un soldat de plomb qui va m'avoir. Vraiment, ce fusil à pompe incroyable. De toute façon, les fusils à pompe, ça, quel que soit le jeu, ça ne déçoit jamais. Tu n'es pas le Booker DeWitt de mes souvenirs, soldat de plomb. Soldat de plomb. Tu es fou. Du coup, je suis complètement d'accord avec la gestion des PTSD. Hein. C'est tout ce que tu sais faire, soldat. Fais un effort, DeWitt. Ne déçois pas. Je veux pas dire. Mes hommes et moi sommes condamnés à l'échec, tout comme l'était ce courageux Custer à Little Bighorn. Mais nous ne céderons pas face à Comstock et à ses soldats de plomb. Mon éclaireur l'a aperçu. Booker DeWitt arrive. Il se dirige vers l'antre. DeWitt. On l'appelait l'Indien blanc de Woodley. L'Indien blanc. Tous les horribles trophées qu'il rapportait. Un homme aussi honorable. Il nous donnera peut-être la paix que nous cherchons. Un patriote motorisé, ça s'appelle ça, trop bien. Allons, DeWitt, montre-moi de quoi tu es fait. Je t'en prie. Compris. Encore. Ah, c'est bon, j'ai ouvert la porte là-haut. Je l'ai pas vu. On va essayer de se le faire. Ok.
Ah, c'est bien fait que je tombe dessus. Dame, j'ai perdu la tête depuis que j'ai rencontré Elisabeth. Oui. Allez, Slade, arrête de faire ton enfant, merci beaucoup. Ouais, pense pas faire ton enfant. Du coup, pourquoi il est mort? Ce n'est pas fini, soldat! Tu dois terminer ce que tu as commencé! Allez! Mais non! Je vais pas le tuer! Tu es un soldat de plomb maintenant! Un soldat de plomb! Ah, la joie. C'est bien fait cette animation avec les trucs là. Press to shoot a bolt of electricity. Hold and release to create a shocking trap. Au top. Tain, tain. Bon. Drone électrocute. Vous l'avez épargné. C'était pas de la pitié. Les hommes de Comstock vont la voir. Est-ce qu'un jour on s'y habitue? Au meurtre? Malheureusement, oui. Je suis pas les gens qui m'attaquent pas. Envers ceux qui m'aimaient, je faisais preuve de la plus grande générosité. Je n'étais jamais avare en souffrance. Ni en trahison, que je ferai toujours de bon cœur. Quoi? Vous savez, ces toniques sont vraiment puissants. Je ferai de mon mieux pour vous approvisionner en cristaux. Merci. Fera ne saurait m'empêcher de te pardonner. Car Dieu m'a donné la vue. Et par ses yeux, tu seras toujours aimé. Elle avait l'air d'être un petit peu des psychopathes. Là, les mecs qui avaient des types à genoux, ils avaient des fusils à pompe devant eux. J'avais pas le choix. Si je les tuais pas, c'est qu'ils me tuaient. Je vais voir si je peux trouver d'autres. Booker, je vois bien que ce qu'a dit Slate vous tracasse. Vous m'avez montré qu'il faut parfois se donner les moyens de survivre. Il y a ceux qui survivent et ceux qui prennent plaisir à le faire. Booker. Écoute. Tu m'as l'air d'être quelqu'un de bien. Mais il vaut mieux que t'en saches pas trop sur moi. Le moins possible. Quittons l'entre des héros. Et du coup, retournons à la zone au mémorial. Il est tellement bien ce jeu pour l'instant. C'est tellement immersif, c'est tellement bien foutu. Je kiffe.